Portail 20 par 20, c'est parti. Waouh! What the fuck, les amis? Attendez, attendez. Wouh! Oh non, mais c'est totalement dingue. Incroyable, les amis. Et bonjour tout le monde, Soximoz. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, je vais révolutionner les portails dans Minecraft, est-ce que vous me croyez? Oh là, ben je sais pas. En tout cas, vous l'avez vu au début de la vidéo, c'est juste incroyable. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à lâcher un gros pouce bleu comme mes cheveux et ma chemise. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors des vidéos tous les jours. Donc les amis, en fait, d'où ça m'est venu cette idée? Ça m'est venu d'un youtubeur américain, anglais, je sais pas trop, qui s'appelle iStream, E-Y-E-S-T-R-E-E-M. Et en gros, si vous voulez, il a fait un type de portail vraiment qui m'a impressionné. C'est ce type de portail là. En fait, c'est un portail du Nether. Et en fait, derrière, on peut traverser le monde. Et vous avez vu, on est dans un autre monde derrière. Et en fait, ça fonctionne tout simplement. Voilà, vous avez vu, c'est un peu impressionnant et tout. En gros, c'est vraiment stylé comme ça. Et en fait, ça fonctionne tout simplement. Il y a par exemple un truc de redstone ici. Et quand on marche ici, et eh bah ben, ça va nous TP dans un désert. Mais en vrai c'est juste une petite scénette. Mais quand on va marcher ici, ça va nous TP dans un désert, les amis, comme ça. Voilà, par exemple là je relis ça à un command block. Et là il me dit quand je marche ici, bah ça va faire slash TP oh là là, je me TP quelque part. Voilà, donc en gros ça me TP dans un vrai désert avec ce vrai truc là. Et du coup ça fait vraiment cet effet de TP. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros ce qu'il a fait là, c'était une vidéo récente hein, et il stream. Déjà c'est pas mal, vous avez vu, le concept est pas mal. Mais moi je veux aller encore plus loin. Ça m'a rappelé un truc que j'ai vu il y a très longtemps. Enfin il y a très longtemps, il y a 6 mois au moins. Sur Twitter je crois. J'avais vu une vidéo d'un mec en gros qui a fait un vrai portail du Nether. Et on voyait le Nether à travers. Et quand on rentrait par là, eh bien on était dans le vrai Nether. Et quand on était bah justement dans le Nether et on regardait le portail par derrière, eh bien il y avait le vrai monde. Et ça c'est incroyable. Et regardez ça les amis, c'est pas du fake hein. C'est pas du fake, on va le faire tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Et après je vais vous expliquer comment ça marche. Hop hop hop, voilà, tac. On va prendre un flint and steel bien sûr. Et un gros pouce bleu pour ce que vous allez voir. Ça va être incroyable les amis. C'est pas, regardez, là vous avez, oh là là, c'est un désert. Là, les amis, vous êtes dans le vrai Nether. Regardez ça, vous êtes pas prêts hein. Attention, attention, vous êtes pas prêts. Et on rentre. Hop là, on est dans le Nether. Et regardez ça, oh là là, c'est incroyable. Attention. Hop là. Et hop là. Hop. Et hop là, c'est totalement dingue les amis, c'est incroyable. Alors je vous dirai comment j'ai fait à la fin de la vidéo. Donc il faut rester jusqu'à la fin les amis, il faut rester jusqu'à la fin. Là pour l'instant on va expérimenter quelques petits trucs. Parce que ça marche pas qu'avec les portails du Nether. Ça marche aussi peut-être avec le portail de l'End, je sais pas. En tout cas voilà, ça marche avec plusieurs trucs. Mais je trouve ça totalement délirant. Mais non mais regardez-moi ça. Genre, pour ceux qui connaissent pas le principe des portails du Nether, on voit pas à travers, il y a juste un truc violet, une opercule violette, et quand on passe, ça met un écran de chargement et on arrive dans le Nether. Ça fait pas ce truc-là. Ça fait pas ce truc-là, les amis. Et c'est vraiment ce que je trouve incroyable avec cette technique-là. Et voilà, donc je vous expliquerai pourquoi pour vous ça sera beaucoup plus facile de faire, mais voilà. En tout cas, c'est incroyable. Donc, j'ai eu quelques idées, je me suis dit, tiens, mais on peut faire des portails encore plus grands. Parce que avant on était limité que à ce genre de petits portails là. Mais maintenant on peut faire des portails de la taille qu'on veut. Je crois que le maximum c'est genre 24 par 24, je sais plus trop. Donc on va faire déjà un portail de cette taille là pour voir est-ce que ça marche. Alors, ah oui, mais oui ça marche carrément bien. Ah ouais, oh, incroyable. On voit la petite tour en terre que j'ai faite. Et là on a notre deuxième portail qui s'est fait couper du coup, regardez. Il s'est fait couper, ok très bien. Peut-être qu'on était un peu près. Bah vous savez quoi, on va. Alors je sais plus c'est quoi le maximum. Dans ma tête c'est 24 par 24. Donc on va faire un truc de 24 par 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, purée ça me paraît déjà grand.
18, 19, 20. Je vais tester 20 par 20. Parce que c'est peut-être 19 par 19. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, je teste 20 par 20 parce que déjà, je trouve ça vraiment grand. Je crois que ça marche pas, en fait. Je vous ai peut-être dit une bêtise parce que 20 par 20, ça me paraît déjà gigantesque. Mon Minecraft va crash, hein, je vous préviens. Donc 20 par 20, portail 20 par 20, c'est parti. Waouh! What the fuck, les amis? Attendez, attendez. Wouh! Oh non, mais c'est totalement dingue. Incroyable, les amis. Mais attendez, ça veut dire que ça marche en encore plus grand. Ne me dites pas que ça marche en encore plus grand. Attendez, je vais tester un truc. Je vais tester un truc. On va faire ça, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on refait ça. Voilà. On va rajouter 5 blocs ici aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on fait ça. Oh non, mais si ça marche, par contre. Non, je pense que le plus grand, c'est 20 par 20. Ça peut pas être plus. Ou peut-être, je sais pas. En tout cas, on va casser ça, voilà. Et on va casser ça. Si ça marche, alors là, si ça marche avec ça, je trouve ça incroyable. Après, vous allez voir, on va s'amuser, il y a le portail de l'End. What the fuck. Mais à quel moment c'est possible? Non mais regardez ça. Oh là là, c'est dingue, c'est un énorme pouce bleu, les amis. Eh, dites-moi si vous avez déjà vu ça dans Minecraft. En tout cas, je peux vous dire que ça fait 6 ans que je joue à Minecraft. Ça fait 6 ans, je n'ai pas fini d'être étonné. Vraiment, chaque jour je sors une nouvelle vidéo. Chaque jour, je suis étonné par le nombre de trucs incroyables qu'on peut faire. Pour vous dire, hier on a fait un roleplay prison. C'est juste un truc trop drôle. Avant-hier, on a ouvert des Kinder Surprise dans Minecraft. Non mais, non mais c'est incroyable, incroyable. C'est totalement dingue. Et du coup, on peut en faire de toutes les formes. Par contre, je sais qu'on peut en faire des arrondis, des carrés et tout, mais est-ce qu'on peut faire des portails arrondis? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'on peut faire genre des trucs comme ça? Je sais pas en fait, c'est quoi la limite des portails dans Minecraft? Quelle est la limite? Est-ce qu'on peut faire des trucs un peu abstraits ou pas? Dans mes souvenirs, non, on peut pas. Mais je veux juste voir si c'est possible en fait. Genre, est-ce que si on fait un truc comme ça, est-ce que là on peut. Ah ouais! What? What the fuck? Hein? Attendez, mais il y a un problème là. Ah ouais, ok, d'accord. C'est qu'on est trop près de l'autre portail. Oh, mais attendez, mais. Ah, on a fait un truc IMC. Mais. Ah, what the fuck? Attendez, parce que là, on est dans le Nether. On rentre dans l'Overworld. Attendez. Là, on est dans le Nether. Dans l'Overworld. On rentre dans le Nether. On est dans le Nether. On re-rentre dans l'Overworld. Incroyable, incroyable. Je me tape une barre tout seul. C'est totalement dingue. Tac, tac. Non mais là il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Et là si on fait ça, il n'y a plus de limite les gars. Il n'y a plus de limite. Bon bref, on va aller voir ce que ça donne avec un portail de l'End, les amis. Alors regardez ça. J'ai une petite surprise pour vous. On va aller dans l'End. Alors, Ender Eye, les amis, Ender Eye, hop, c'est parti, on va faire tac, 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 hop, et hop là, ça va laguer un peu, waouh. Alors, moi, je vous propose de tuer le dragon, sharpness, on va prendre une sharpness 5, on va prendre un power 5, voilà, hop, power 5, on va prendre une épée en diams et un arc avec une flèche, voilà. On va prendre une anvil, ouais, parce qu'en fait, sinon, ça, il va être trop long à tuer. Donc, on va faire ça, power 5, sharpness 5, et les amis, regardez ça, vous êtes pas prêts. Hop là, bim, et oui, on est dans l'End, les amis. Ah, mais non, oh non, ah, j'ai fait une connerie, c'est que, ah ouais, non, grosse connerie, les amis. C'est que là, je ne saurais plus revenir dans l'Overworld, parce que... J'ai utilisé ce monde avant pour tuer le dragon, pour voir ce que ça fait, et je voulais tuer le dragon en vidéo. Mais en fait, j'ai cassé, j'ai voulu expérimenter des trucs, et j'ai cassé, quelque chose. En gros, si vous voulez, j'ai cassé le portail de l'End là, et on peut pas le remettre, enfin, je crois pas. Je crois pas qu'on puisse le remettre. En tout cas, j'ai pas réussi, même avec des commandes blocs, c'est vraiment dommage. Mais en gros, ce que vous voulez, j'étais en train d'expérimenter hors vidéo, je tombais dans le portail là. Ça me remenait dans l'Overworld et je retombais à l'infini dans ce portail là. En gros, je tombais dans le monde normal. Et le monde normal, il était en haut. Puis je retombais dans le portail de l'End qui était là. Puis ça me retépait là. Puis c'était incroyable, les amis. C'était incroyable. Bon, voilà. Malheureusement, là, j'ai pas l'impression que je puisse le refaire. Donc, voilà. Bon, bah, pas grave.
Bon voilà, je suis reviendu les amis. Du coup, on va pas pouvoir tuer le dragon, mais on va pouvoir faire ça. Oh mon dieu, bim, bim. Voilà, je m'amuse toujours autant. Bon les amis, du coup, il est peut-être temps de vous dire comment ça marche, hein. Comment ça marche cette fameuse astuce et tout. Et je vais vous montrer pourquoi il est mieux de choisir celle-là, qui est pas si mal finalement. Alors du coup, par exemple, là, je l'ai mal expliqué, mais... Voilà, tapez iStream et regardez la vidéo qui date d'il y a à peu près une semaine sur les portails, puisque lui, il doit expliquer beaucoup mieux que moi. Mais en gros, voilà, cette technique, elle permet d'aller un petit peu partout. Elle permet pas de faire ça dans le Nether, mais elle permet d'aller un peu partout en ayant un rendu un peu stylé, parce que vous voyez, d'un certain endroit, là, on a l'impression vraiment que c'est carrément un autre portail. Enfin, c'est carrément une autre dimension. Et si vous faites le truc assez bien et que vous faites le TP comme ça à... presque au niveau de rentrer dans le portail et que vous arrivez vraiment dans un désert, ça peut être vraiment, le rendu peut être vraiment incroyable. Donc en fait les amis, voilà, la différence entre ce portail là et ce portail là, c'est qu'en fait il faut un mod. Voilà, je suis sur Minecraft Java Edition et il faut un mod pour utiliser ça. Ça s'appelle Better Portals, BETERPORTALS. Voilà, donc espace entre Better et Portals. Mais voilà, c'est Better Portals. Je parle déjà en anglais parce que je suis nul. Mais voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc vous téléchargez, c'est en 1.12. Et voilà, vous pouvez avoir ça pour vos mondes. Ça peut donner vraiment un effet de... Enfin, ça peut donner un effet beaucoup, beaucoup plus réaliste à vos mondes en survie ou n'importe. Enfin, moi, je trouve ça vraiment incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. C'est tout nouveau et... Enfin, c'est totalement dingue. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte comment c'est fait. Mais je trouve ça totalement fou. Je sais pas si c'est disponible sur MCPE. Je sais que, en tout cas, sur Java, c'est possible. Mais voilà. Donc voilà, si vous voulez la voir, Better Portals, et sinon ça, allez voir la vidéo de iStream, ou sinon cette vidéo là elle plaît bien, je vous montrerai un tutoriel vraiment simplifié comment faire ça assez simplement et avec un meilleur exemple, parce qu'en fait j'ai fait vraiment 5 minutes avant de faire la vidéo, hein. C'est pour ça que là si on veut être TP, enfin on voit un peu sur les côtés et tout, mais voilà, bref, vous avez compris un peu le principe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi c'était un plaisir de vous la présenter. Si ça vous a plus, si ça a été le cas les amis, bah n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la liker, pensez à la partager, c'est le plus important, et bien sûr abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo tous les jours et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oximos pour servir. Allez, ciao.